Le navire, il est majestueux, les FAO, il est là. Hein. Il a été question de signer des partenariats par chaque caisse d'épargne régionale avec des associations qui ont pour objectif de réinsérer des jeunes. Ça rejoint complètement en fait le travail qu'on fait au quotidien avec les jeunes, qu'on aide à s'insérer durablement dans le monde du travail. Là, c'est au moment des manœuvres, comment je travaille avec les autres, comment j'écoute les consignes. Que ce soit les jeunes ou les encadrants, eh ben, en fait, ils sont au même niveau et ils se rendent compte que chaque individu compte, peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est cette expérience que la Caisse d'épargne a choisi de faire découvrir à ces jeunes. C'est la première fois que je navigue. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais, et là, ça va beaucoup m'aider. Parce que déjà, c'est bien pour avoir un esprit collectif. Je vais raconter que je suis devenue marine pendant une journée et que j'ai fait que tirer, mais qu'on a réussi à hisser 20 voiles. On fait de tout, oui, c'est très polyvalent. C'est... Bah après, tout le monde se rend service en fait. Et je vais aussi raconter que j'ai conduit le bateau pendant 30 minutes avec le gouvernail et que j'ai réussi à le faire. On est venu découvrir un autre cadre. Une autre manière de travailler. Ça leur a permis de se dépasser et d'aller au bout des choses. Ça fait bizarre le coup de monter sur une certaine hauteur comme ça, parce que c'est très très haut. C'était super. Cet embarquement des jeunes, c'est magique, c'est une superbe aventure. C'est l'illustration du fait que la Caisse d'épargne est capable de faire de grandes choses pour son environnement et pour la société en général. Le stage d'insertion sur le Bel-Aime s'est très très bien passé. Nos jeunes ont vraiment joué le jeu. Ils ont été au rendez-vous du challenge qui était proposé, c'est-à-dire tous ensemble faire avancer le navire. On peut faire beaucoup si on s'écoute et surtout si on s'entraide, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, c'est super en vrai. Ça donne de l'espoir. Trois mots pour qualifier en fait ces deux jours, ça va être la coopération. Un rêve d'enfance. Enrichissant. Découverte. Incroyable. C'est à couper le souffle, vraiment. On souhaite effectivement remercier la Caisse d'épargne. Sans eux, on n'aurait jamais eu l'opportunité de passer ces deux jours à bord. Si ça peut leur permettre d'avoir un premier pas vers la réussite et vers une vie meilleure pour certains, eh bien on est très fiers de pouvoir participer à ce cheminement.